Eh bien, salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le podcast sur le livre La Magie. Et vous savez quoi? Nous sommes à la fin de ce podcast sur le livre La Magie. C'est excitant car nous sommes au procédé magique numéro 28. Il y a 28 jours, nous avions commencé cette sorte de défi en fait, mais ce défi des 28 jours sur la gratitude, sur comment éprouver de la gratitude au maximum, comment trouver des techniques pour éprouver de la gratitude pour sa santé, pour les autres, pour soi-même, pour attirer de nouvelles choses, attirer de l'argent, attirer la santé, attirer plein de choses dans notre vie, des meilleures relations. Et aujourd'hui, on est donc au procédé magique numéro 28 et nous allons voir comment se rappeler de la magie. Alors, ce que vous allez faire déjà, c'est apprécier votre bonne fortune. Vous dressez la liste de 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie. Vous écrivez le pourquoi vous êtes reconnaissant. Vous relisez cette liste en disant les 3 mots magiques merci, merci, merci. Et en éprouvant avec le plus d'intensité possible la gratitude que votre bonne fortune vous inspire. Et vous savez quoi? Vous avez pris note de 280 bienfaits au cours de la lecture de ces podcasts. C'est-à-dire que si vous avez suivi vraiment de A à Z les podcasts jour après jour, vous êtes à 280 bienfaits. Vous vous rendez compte que vous avez réussi à obtenir 280, à voir 280 bienfaits dans votre vie. C'était extraordinaire tout ça. Maintenant, nous allons nous rappeler la bonne fortune de la veille. Et vous allez en prendre note. Donc vous essayez de vous rappeler 10 choses pour lesquelles vous êtes de reconnaissant d'hier. D'accord? Vous essayez de vous rappeler ce qu'il s'est passé sur votre journée d'hier, quelque chose de bien. Et vous allez vous poser la question suivante. Quelles bonnes choses se sont produites hier? Et vous passez en revue les principaux événements de la veille jusqu'à ce que vous estimiez votre liste complète. Maintenant, une fois que votre liste est faite, et en vous rappelant chaque bienfait, vous dites mentalement le mot magique « merci ». À partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'à la fin de vos jours, ou à la fin de votre vie, j'en sais rien, à la fin de votre vie de développement personnel, mais faites ça vraiment au maximum. Mais à partir d'aujourd'hui, vous pourrez faire cet exercice en dressant une liste écrite ou encore à voix haute ou mentalement. Vous pourrez donc énumérer rapidement les bienfaits que la veille vous a apportés ou noter plus en détail chaque bienfait, en précisant pourquoi il vous inspire de la gratitude. Donc tout ce qu'on a appliqué jusqu'à aujourd'hui en énumérant les bienfaits dont vous jouissez dans la vie, vous allez appliquer ça sur la veille. Je vous invite donc à tenir un journal de gratitude, en vous en procurer un ou directement en acheter un ou en le fabriquant soi-même. Un petit journal de gratitude sur des bienfaits de la veille et de penser mentalement à ce qui s'est passé la veille et de dire le mot magique « merci ». Et vous allez faire ça vraiment tout au long de votre vie, vous allez voir que ça va vous apporter tellement de belles choses, de pouvoir être reconnaissant de ce que vous avez reçu la veille. Même s'il n'y a pas eu des belles journées, vous serez déjà reconnaissant. Et ce soir, avant de vous coucher, vous allez tenir votre caillou magique dans une main et dire le mot magique « merci » en pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui. Voilà mes amis, quoi vous dire? On a passé 28 jours magnifiques et en éprouvant le maximum de gratitude, on a vu plein de techniques. Et aujourd'hui, je vais vous inviter à relire, à réécouter ces podcasts, quand vous en avez envie, quand vous en avez besoin, de choisir la technique que vous avez envie d'appliquer dans votre vie. Ça peut être les pas magiques, ça peut être l'ingrédient magique, la baguette magique. Vous choisissez la technique dont vous avez besoin et vous l'appliquez, vous réécoutez ce podcast et puis vous l'appliquez aujourd'hui. Ça peut être aussi les bienfaits, la fortune, plein de choses. Mais voilà, ces podcasts resteront là et si vous avez besoin de les réécouter, réécoutez-les, refaites-les pendant 28 jours pour peut-être les assimiler davantage. Procurez-vous le livre La Magie si vous en avez besoin. Et voilà les amis, j'espère que ce podcast vous a plu sur la magie. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et quoi vous dire d'autre? Abonnez-vous pour suivre d'autres podcasts, peut-être sur d'autres livres, sur d'autres techniques. Et on se retrouve très vite pour d'autres podcasts. C'était Vince, je vous fais d'énormes bisous, je pense fort à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.